On va analyser qui richesse Christ a gagné. Alors, richesse Christ a gagné, c'est 50 millions. 50 millions de dollars. 200 millions de dollars. Machine dernier modèle dans le ciel là. Dernier maison. Mais regardez les méchants qui sont dans l'évangile. Vous regardez les criminels qui sont dans l'évangile. Vous c'est-à-dire que Christ, l'a tapé sur la terre, il quitte machine en l'air, il quitte avion en l'air, il quitte jet privé dans le trône. Non. Hey! Mais c'est des imbéciles qui sont dans l'évangile. Mais qui savent, nous ne parlons pas de rien. Mais c'est des aveugles qui sont dans l'évangile. Christ s'est fait pauvre. Nous voulons la pauvreté Christ là. Nous voulons elle. Gardez elle, gardez dans Philippiens 2. Alléluia. Monsieur, ting, pour me prêcher, m'a prêché. Christ relève pour me prêcher. Et puis après, on connaît que. On ne peut pas parler de roi. Oubliez ça. Droite pour droite. Sérieux pour sérieux. Converti pour converti. L'évangile pour bail. Mais pauvreté Christ là. Et vous parlez. Et Philippiens chapitre 2. Qui ça le dit? Depuis le verset 5. Ça le dit. Ayez en vous. Mes amis, attendez, oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amel qui a dit ou bien Bible là? Qui a dit? Existant. Existant, et comme je vous ai dit, la, cette personne, Christ. Il a dit Christ, existant, qui ça? En forme de Dieu. Sa voix, il était dans le sein de Dieu. Dans le sein de son Père. Il est l'empreinte de la personne divine. Amen, amen, amen. Il est Dieu qui s'est fait chair. Existe en forme de Dieu. Et qui ça dit? Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une poire arrachée. Elle sortit dans votre papa. Il n'a pas dit pour le présenter comme un Dieu sur la terre. Oh, yo, yo, quelle église a béni. Que l'église a béni ce matin. Que l'église a béni. Il n'a pas dit. Il pourra le présenter comme Dieu. Sous la terre, même Jean Papal. Mais qui ça texte a dit? Verset 7. Mes amis, regardez bien, non. Les gens qui comprennent le français, regardez bien, non. Mes amis, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Dépouillé, il a dit laisser. Laisser, abandonner. Okay. Il s'est dépouillé lui-même. Ça dit que pas mon demande pour le faire ça. Lui-même est d'accord. Il s'est dépouillé lui-même. Qui ça? En prenant une forme de serviteur. Ça dit que mais comment? Au Dieu qui est devenu. On serviteur, saint monde. Mais ça relé, il s'est fait pauvre là, oui. Mes amis, mais ça relé, il s'est fait pauvre là, oui. Quand il y a là, faut Grégory, pasteur Grégory, d'accord. S'il d'accord d'interpréter le texte, Jean l'interprète là. Faut d'accord Jésus qui a un avion dans ciel là. Faut d'accord Jésus qui a des milliards dans ciel là. Faut d'accord que Jésus te descend dans l'avion. Dans le jet privé. Mais tout le monde tendez, oui? Tendez. Pas besoin de même, non? Conseil de mon gars, dit, on va aimer pasteur, ça, il prêche bien, même pas même. La cité, non, mon. Mon bégouet, tant qu'on me dit, besoin de même.
De pour qu'il y ait quoi, il va marcher des mounes. De besoin, même. Madame, nous, et seul Jésus, besoin. Assembler sa vie et donner. Pas vite encore. Ouais, c'est ma fait difficile. Ou attendez, Tabernacle a fait difficile, il révoque Jacques Maurice. Ou attendez, Tabernacle a fait difficile, il fait faillite, il révoque Jude. Nous allons attendre. Ou attendez, chef d'entreprise a dû faire faillite, il révoque tout employé, il est mon petit poignet. Et s'il continue à faire faillite, il continue à révoquer. Et puis, je suis même d'accord avec lui. Mon cher Miskaden, félicitations. Bidjo n'a pas répondu normal pour évoquer. Félicitations. Si je suis en place, je me fais plus mal même. L'église a que mon Dieu béni. L'église m'a dit que mon Dieu béni. Alléluia. Mais c'est son évangile tout tourné dans le bail. Faut l'évangile la clair. Faut l'évangile la présenter propre et clair à la nation. Donc, pauvreté, ça, l'on a fait interprétation de texte en analogie avec Philippiens chapitre 2, où elle parle jamais de pauvreté matérielle. C'est une pauvreté spirituelle. Ça veut, cela veut dire que Jésus-Christ est riche. Au point de vue spirituel. Ou pas, dans Jean 17, il priait papa. Il dit, papa, maintenant mon œuvre est terminée. Donne-moi ma gloire que j'avais auprès de toi. Mes richesses là. Il avait laissé sa gloire pour se faire sept hommes. Juste moi en retour pour que je retrouve la gloire de Dieu. Parce que Romains 6, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit. T'as l'église là. Où là, Saint-Chantal? C'est là, ça, là. Le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus. Cela veut dire que le texte a dit Jésus-Christ, t'es vinfel, pauvre. Pour ça, Jésus-Christ, t'es toute gloire dans les cieux. Il descend, ni fait, non. Il fait non pas bête. Il levait comme un septième monde. Dans Luc chapitre 2, le texte a dit, il grandit en statue et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tout le monde est son petit monde qui est simple. Mais le bon bagaille en dame. Oh mon frère. Le bon bagaille en dame. Alléluia. Il gon bagarre en dedans, c'est pas un petit monde comme ça. Alléluia. Il tellement gon bagarre en dedans, il paraît à 12 ans dans le temple, il a posé les grands sacrificateurs, les grands docteurs, les grands scribes. Il a posé la question là pour répondre, mais il posait une question pas qu'à répondre. Oh, il gon bagarre en dedans. Il troublé yo, j'ai un problème. Je dis comment un petit monde fait 10 ans fréquent comme ça pour que le grand monde bat blanche. Il pas qu'à répondre. Les gros font pile étude. Comme Jean a dit qu'on y a là, comment Amel fait paraître comme ça? Il sous moun comme ça. Il sous moun comme ça. Oui, il sous moun, oui, il m'a en dame. Il m'a bagay en dame. Alléluia! Et bien l'église, si nous avons fait analogie biblique toujours, dans Matthieu chapitre 13, what we went normal.